Mais du coup, pourquoi t'as fait la vidéo, genre? Bah en fait je voulais voir si mes abonnés ils étaient là que pour mes shorts ou aussi pour mes vidéos longues comme ça, genre de 10 minutes. Bah, mets des pantalons. Quoi? Mets des pantalons. Et pourquoi je dois mettre des pantalons? Mec, t'es bizarre gros, pourquoi tu me parles de pantalons comme ça? Non, mais s'il regarde tes shorts, tu mets des pantalons, il regardera plus tes shorts. Bruh. Ok, salut les mecs, comment ça va? Aujourd'hui je suis en compagnie de Defix et je vais vous présenter mon aventure survie. Voilà, Defix, tu peux parler? Ok, salut les mecs, comment ça va? Aujourd'hui je suis en compagnie de Defix. Yo les gars. Et en gros, tout simplement, je vais vous présenter mon aventure survie que ça fait déjà presque une semaine, on est dessus. Donc les mecs, on est en direction de la toute première base, tout simplement le spawn pour vous montrer nos débuts. Elle montre leur cocotte. Ok les mecs, c'est bon, on est actuellement au spawn, je suis avec Defix du coup, et on va vous présenter nos débuts, donc c'est très très simple. Ici s'affichera à votre écran la toute première vidéo TikTok qu'on a fait. Ok, salut mec, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du début de mon aventure survie en 1.17, je suis avec tout ce petit monde. Ouais! Voilà donc petite présentation, il y a Oxidaz, White Ice Cream, Georges, Defix et le fameux, le El Famoso Six Solo. Et donc là c'est le spawn, donc on peut pas casser, je crois que c'est claim. Ah si, non, non c'est plus claim. T'as unclaim la zone ou quoi? Non, non. Il m'a lâché ça comme ça. Bref, donc là on a la première base avec du stuff nul hein, parce que bah non, c'est la c'est première ça base la... que je vous ai c'est ça la première base. Ah ouais, c'est vrai, t'es pas con toi. C'est ici la toute première base de chez toute première. Bon, c'est juste un tunnel quoi, y'a rien d'intéressant. Donc, le plus important, ça reste la tombe de Cocotte qui a déjà commencé à pourrir un petit peu. Cocotte, c'est qui Cocotte? Un Defix, explique-nous c'est qui Cocotte. Defix. En fait, au début, on avait trouvé un zombie sur une poule. Et du coup, on avait l'enfermé parce que c'est quand même un tout petit peu rare. Et un jour, on s'est dit, vas-y, on va les délivrer. Sauf que le zombie avait disparu. Mais moi, ce que je savais pas, c'est que Nexan ne voulait pas que je tue la poule. Mais moi, je l'ai tué. Et Nexan est parti en dépression après ça. Non mais les gars, il a tué Cocotte, il a tué ma Cocotte. Alors que j'ai rien demandé. Du coup, bah, je lui fais une petite pierre tombale. Et voilà, donc ça c'est Cocotte, elle est morte. Et voilà, repose à son âme, on va dire. Et donc voilà, bon, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Je crois qu'on a fait des petites plantations ici. Oh, on avait fait un spawner aménagé. Attends, j'allais voir en deux spies. Spawner aménagé, il est juste là. Il est où le spawner? Il est là. Voilà, on descend l'échelle tout simplement. Tac, tac, tac. Et on atterrit tout simplement au spawner aménagé. Vraiment full, full qualitatif, on va pas se le cacher. Et bon, du coup, les gars, c'est bon, let's go, on retourne à notre base du début. C'est bon, de retour à la base, ma gueule. Ok, donc on va s'attaquer à la présentation de ces arbres. Donc, les tout premiers arbres qu'on a colonisés, on va dire. Alors, on a fait tout simplement des maisons dans les arbres. Avec un petit système bon bah pour éviter de tomber ou juste pour faire une décoration. Donc chaque arbre a sa personne tout simplement, donc à son résident. Là on a la base de Defix, bon il n'y a rien d'incroyable, tout est dans cette shulker. Ici si je me trompe pas on a la base de Wesler. Et là on a la base de George, mais vas-y George, il est bizarre ce mec. Il sert à rien. Il sert à rien voilà. Ici c'est mon arbre, donc l'arbre principal, on va pas se cacher parce qu'il y a quand même non, non, vraiment un pas. Petit escalier. Ah si, vraiment si en fait, l'escalier est vraiment qualitatif. Là vous avez le Nether, on va y aller juste après. Et là vous avez l'arbre à Oxidaz, Oxidax, oh, je sais pas comment on le prononce. Donc là, go dans le Nether, on va vous montrer tout simplement juste le... Mais gros, t'es pas drôle. On va tout simplement vous montrer le spawn du Nether, voilà donc... Voilà, c'est un petit spawn tranquille, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était fixe parce que bah moi j'avais fait un truc éclaté. Claqué. Ensuite, présentons le plus important, donc c'est-à-dire la chose que j'ai créée en tout premier. Parce que je suis un peu un builder professionnel, on va pas se gâcher. Donc on va sauter dans l'eau et vous allez voir tout simplement la base qui est sous l'eau. Donc la base, ici il y a la mine numéro 2 et là on a une mine aménagée, donc la mine numéro 1. La mine 2, ça nous emmène à l'Ender, mais on ira plus tard. Et là on a mais qu'est-ce que ça fout là? J'ai oublié de te parler de ça. C'est quoi ça? Je sais pas comment le retire. Bref, ici on a la table d'enchant avec la source de lave infinie.
On a un peu quelques métiers, voilà. On a mon axolote, il est enfermé parce que bah, un jour il a insulté ma mère et voilà, il fallait pas insulter ma mère. Ici on a un aquarium à axolote qui est vraiment rainé, éclaté au sol. Claqué au sol! Mais que ça, tu pensais? Chat! T'es trop nul! Mec, mais viens là, viens là! Voilà, repose le bloc. Ensuite, on a un étage inférieur. Juste ici, voilà, avec. Bah, je sais pas ce que c'est, on verra. On a encore des rangements de coffres. On a je sais pas et je sais pas numéro 2. Et donc là, si j'ai bien compris, je crois qu'on va faire un système de rangement automatique. Et du coup, on va voir tous les coffres qui seront ici, bah, comme ceci par exemple. En gros, il y aura un seul coffre, on mettra tous les items dedans. Et les items vont se rajouter automatiquement. C'est mais... avec de la redstone. Mais ok. Comment tu. Genre, je sais pas comment vous faites ça, mais ça a l'air incroyable. Voilà, donc maintenant, pour remonter, on prend tout simplement ces escaliers. Je vais vous présenter le spawner à zombies qui est juste là. Donc, c'est un petit spawner bah, à niveau, mais maintenant qu'on a le spawner à Enderman dans l'end, bah, ça nous sert plus à rien. Mais en vrai, ça carriait avant, ça carriait de fou. Où compte la construction à Wessler? Ah oui, la construction à Wessler, donc. Un build plutôt qualitatif, on va pas se cacher. On est sur un bon 17 sur 20, je pense. Donc voilà, il mérite sa moyenne. Il mérite sa moyenne. Je pense que le pour brevet. Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un sgeg. Mais ta gueule, putain, je vais me faire ban. Il est pas beau, quoi. Du coup, je vais aller vous montrer l'end parce que c'est quand même très important. Donc, let's go, les gars. Maintenant, on va dans l'end. Je vais vous présenter le portail. Hop, on descend tranquillement. Et voilà, vous avez fait un accès de fou en vrai, vous êtes chauffés les gars. Ok, go, on rentre dedans, let's go. Donc normalement j'ai fait, voilà, j'ai fait un petit lobby. Franchement qualitatif, en vrai il est classe. Je trouve il est assez sombre. Il est classe, là on a ici un truc d'end, etc. On a partout. Et donc là on a un petit accès, un petit escalier, moi je le prends. Donc là du coup on a notre deuxième gros beacon qu'on a construit. Avec les 6 beacons et la grosse structure. Sur ce, on va aller dans cette direction pour voilà, arriver juste ici. Donc ici, c'est quoi? C'est la farm à Enderman. Donc voilà la farm à noir. C'est la première fois de toute ma vie que je mange un noir. Enderman, c'est tout simple. Hein. Vous connaissez les farms Enderman. Ça va dans les coffres. Donc, par exemple, les coffres, il y en a là. Voilà, il y a énormément de coffres. Bien rempli. C'est bon les gars, on est de retour dans l'overworld et je pense qu'on a fini cette présentation. Franchement, on a un petit peu tout montré ce qu'on avait fait pendant cette longue semaine. Tu trouves pas que c'est quand même une très très bonne présentation quand même? Vraiment, on a quand même assez build. Bon, surtout vers le début c'était assez difficile, mais là on va commencer à être plus chill et à faire des builds. Ouais, je pense que là on va commencer à faire des builds et on va faire peut-être des concours de builds. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ferait un maximum plaisir. Et du coup, vu que c'est la fin des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, enfin à partager à tout ce que vous voulez, vraiment à votre mère. Votre mère, elle sera intéressée par cette vidéo très instructive, on va pas se cacher. Et du coup, bah, défixe la grande, ça dégage. En bref, sur ce, les gars, je vous laisse.